Et nous sommes de retour. Oh mon dieu. Tac, 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 et tac, tac, tac. Et les cubes, c'est des cubes. Ils se multiplient, machin. C'est bon? C'est bon. On se casse. La dernière fois, on avait fini le DLC. On a récupéré les épées et tout ça. Donc là, on va faire ça et ça. Donc concentration de rhodonite et concentration de ferdonite dans une zone volcanique. On a ce que ces deux missions qui nous restent, puis après c'est le fin de jeu où il va falloir créer les différentes parties en fait pour rentrer, pour faire le portail pour la Terre. Et après on va avoir une attaque géante en fait, et je crois que l'attaque elle vient de tous les côtés. Pour le moment on a eu que deux types d'attaques, on a eu la vague normale où on a 2 minutes pour se préparer. Après la grosse vague, enfin la vague normale avec 2 ou 3 spawns de monstres. Après, il y a la vague avec 5 minutes, avec 4 spawns de monstres en même temps. Et après, il y aura la vague ultime où je crois bien que ça vient de tous les côtés de la map. Ouais. Mais honnêtement, je dois dire que, ayant fini le jeu, déjà, avant, le pire, ça reste en survie. Le orbital scanner a reporté de grandes condensations de ferdinite dans cette zone. Nous pouvons le harvester des cristaux bleus entwined qui sont growing ici. Or try to locate it with the geoscanner. Okay, let's grab the geoscanner and start searching for ferdinite. I'm sure that we have some special equipment with it. Putain, j'avais jamais vu. Ça fait un moment que j'ai pas regardé, je veux dire. Je vais voir les ressources qu'on a. 341K, 247, 200, 220. La rhodonite, on n'en récupère pas des masses. Rhodonite, on est à combien? 6 points. Ouais, ça va. Comme j'ai dit, on a un peu merdé sur le premier avant-poste là. Avec la ferdonite, genre 14 secondes, c'est légèrement trop. Ouais, peut-être que j'y retourne et mettre autre chose. On verra ça après. Ah, mais en plus, j'ai un acide, je peux détruire les trucs. Ah, c'est cool ça. We gathered a sizable amount of ferdinite. This should be enough to start crafting new equipment. We can stay here and try to find even more. Ah, bah voilà. Back to our primary objectives. C'est fini. Ok. On va continuer pour analyser des endroits là. Putain, voilà, que je puisse mettre la toile. Ashley, I have located a significant condensation of ferdinite near our position. I have marked its approximate location on our map. Excellent. We should gather as much ferdinite as possible. On peut y aller. Okay, très bien. Ok, la map. Ok, le truc est là-bas. Il est où le machin? Là. Ah, en plus là le lance-roquette il est bien pour les rochers là, ils sont immunisés contre les dégâts physiques. Bon,
ceux-là non, mais les autres là. On va faire ça. Nickel. On va continuer d'analyser les choses et on va aller à l'endroit là où il veut. Pas détruire les rochers, il faut les analyser. There's a dense ash cloud on the horizon. It's coming our way. It's going to get dark soon. OK, très bien. Analyser celui-là. On l'enlève. Et on met là. Ah. Très bien. Quel go, on continue. Ouf. The ash clouds have dispersed now. Air visibility is back to normal. Il y a plus de tourelles de scan. Voilà. Après. Ok, donc là, on va peut-être devoir faire un truc, c'est pas de tout détruire, non ? Ah, that makes things more complicated. Truc géant. Oh la vache. C'est, ça y est, ils sont vénères. Ou pas? Voilà, nickel. Ah bah putain. Nickel. Ouais, c'est bon, on peut se casser.
toute façon, là, ouais, c'est 549, oui, donc ça va, on a assez de... C'est bon, on peut partir, on finit juste ce scan-là. Ben voilà. Plus rien à faire ici. Après oui, on a des trucs à scanner, mais... les Nérilons Ultra, on n'a pas beaucoup à faire. Ça, on en a plein. Là, c'est les... ouais, les fourmis géantes. Et ciao. Donc ça c'est bon, Rhodonite, c'est parti. Et après on va voir là sur l'affaire Donite, là, c'est ça? Bah le métal bleu là, voir si on peut pas changer un peu les plantes pour qu'on fasse un peu autre chose aussi en même temps. Et je crois que ça va être la fin quoi après. Je ferai peut-être que si ça va très vite tout ça là, que ça fait genre 20 minutes, 30 minutes, je couperai. Moi je vais sûrement refaire la base du début et puis après on recommence, on continuera et on fera la fin de la mission quoi. Red jump successful. The orbital scanner. Reported large condensations of rhodonite in this area. Ah putain, c'est vrai. J'avais oublié. Okay, let's grab the geoscanner and start searching for treasure. On peut se téléporter. Hein. Ah non, ils nous mettent quand même le fait qu'il faut en récupérer un... genre au moins un K ou un truc comme ça. Mais bon, nous on a les réserves automatiques en fait. Enfin, on a la récolte automatique des plantes donc... Ah, voilà, ça va être bien plus fini. Que je vais faire. We've gathered a sizable amount of rhodonite. This should be enough to craft some good equipment. We can stay here and try to find more or get back to our primary objectives. Très bien. On va un peu se balader et puis on va faire pareil. Ça va encore vite. Ashley, I have located a large condensation of rhodonite near our position.
I have marked its approximate location on our map. Excellent. We should gather as much Roadnite as possible. We'll use it later to craft better equipment. Well. J'avoue que la seed peut-être ici c'est pas vraiment le mieux. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le plasma. Pas le gros plasma lourd, le pistolet plasma. Crafting completed. Crafting completed. Crafting completed. Crafting completed. Voilà. Alors, on peut voir un peu plasma. Le laser, c'est bof. Alors, plasma 1700. Pourquoi t'as 1700 toi? Ah, projectile et 1-4, 1-4 partout. Okay. Donc, donc c'est celui-là. Ça va être celui-là. Ce pistolet à plasma, c'est bien. Change d'étourdir. Ah, on a étourdissement avec projectile partir. Fragmentation des projectiles. Non, moi je voudrais par rafale. Ah oui, par rafale on a peu, on a très peu de, on a sûrement que deux modes rouges. De l'acide avec le temps. Plasma acide. Comme ça avec les deux armes on est acide. Et après, on a mis quoi? Projectile partir. On peut mettre fragmentation. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça fait de l'acide. Je pense que c'est bien. Après, est-ce qu'on a... Ouais, non, c'est bien. Est-ce que c'est... J'en sais rien en fait, c'est bien. On devrait peut-être mettre le lance-missile à la place, j'en sais rien. Bon.
Ça va aller, c'est bon? Une vague de monstres là. Ah. Enfin, nickel. Oui, nickel. C'est là. Enfin, on peut partir, hein, voilà, évidemment, mais... Ça donne quelque chose. On est à combien? 2700, putain. Bam, ça c'est que des trucs qu'on a vu déjà plein de fois. Passer. Tant qu'on s'arrête pas, ça va. Avec les mines. Tant qu'on continue à courir, ça va. De Gatling. Ah, on peut pas s'arrêter. Plus on est fou, plus on rit. Ah, qu'est-ce que c'est magnifique de pouvoir utiliser cette tourelle, mon dieu, je le répéterai jamais assez quoi. Change le jeu quoi. Allez, dernier. Allez, merci. The weather's changing. Wind is slowing down. Nickel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se casse.
Mais je crois que j'ai dit, comme j'ai dit, je vais faire une pause. Ce sera notre dernier épisode. J'espère que c'est le 35e. Comme ça, ce serait bien de finir sur 35. Oh, il y en a encore un là, tu vois. Ça va faire boum. Parfait. Le laser là qu'on a là, le pistolet laser, c'est vraiment histoire d'avoir une autre arme en fait. Mais j'avoue qu'il est pas pas transcendant. Après c'est compliqué de faire plus que notre Gatling. Notre Gatling 9000 et quelques de DPS, 9500 quand même hein. Je peux pas dire mais... magnifique hein. Returning to normal. Ah, mine. Nickel. Est-ce que ce serait pas là les plantes qui nous manquent là? J'ai pas vu des plantes en fait. Les tentacules machin là. J'ai pas vraiment vu de trucs qui ressemblaient donc ça m'étonnerait. Pas vu de plante qui y ressemblait. Ouais, celle-là, là. Je vois pas. Je vois pas où ça pourrait être. Peut-être que j'aille regarder ouais, sur internet. Alors.
Du coup, on a fini ça. Donc moi, je voudrais retourner sur l'avant-poste 1 et changer un tout petit peu l'affaire d'Onit. Et après ça, on va s'arrêter. Je vais voir si je refais ou pas, si c'est pas trop chiant de refaire donc la base principale. Et après on voit. Parce que j'ai envie de faire les plasmas et tout, et les plasmas et tout, ça risque d'être super long en fait à faire. Donc je préfère les faire de mon coin. Vous savez, il faut ioniser en fait, il faut créer du plasma, et après il faut faire du plasma surchargé. Et c'est tout avec des tuyaux. Et donc voilà, c'est méga chiant, honnêtement, c'est méga chiant. Enfin, c'est pas chiant, mais c'est long. C'est un peu le même système que j'ai fait avec la vase et le gaz, là, vous savez. Ça m'a pris genre 3 heures à connecter tous les trucs, quoi. Voilà, ça va sûrement me prendre moins de temps, on peut le faire un peu à la va-vite. Et honnêtement, on en a même presque peut-être même pas besoin, mais bon. Je voudrais bien montrer les super canons, quoi. Ouais, je voudrais vraiment montrer les super canons, là, qui tirent de super loin. Alors, on va essayer de pas mettre que de ça. Donc, nous, on a mis ça, là. Donc, bon, le truc principal, c'est de la faire d'onit. Là, on a faire d'onit, cobalt et ferronium. Là, bon, là, ça fait tout. Plus des plantes, donc c'est bien. Sur quoi on pourrait le changer? Ils sont jolis les arbres et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? L'uranium ici on peut pas apparemment. Ceci est une zone tropicale. Je crois que l'uranium c'est que dans les plaines acides. Donc un peu plus d'azénite par exemple. Qu'est-ce qui fait de l'azénite mais des plantes aussi, ça. Qu'est-ce qui se passe? Là on a quoi? Fais-moi tout. On récupère combien de cobalt sur... Ah putain, c'est vrai qu'on peut pas le voir. Ça c'est un peu con le cobalt. On peut pas le voir. On peut voir tout le reste sauf le cobalt parce que c'est la vallée métallique. Ça c'est con, hein. Ça c'est un peu débile. Peut-être que quand on est dans le quartier général, on peut le voir, genre là, mais ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. Là, on va plutôt mettre ça, parce que ça fait ça, plus de la plante. J'en sais rien. En fait. Je dois bien faire du titane. Là, on a titane 0 par seconde. Je vois bien que genre ça un peu. The rain is over. Je pense que le reste. Je pense que le reste on peut le laisser. Voilà, fleurs. Je veux pas que ça soit que des cristaux en fait. Je veux que ça soit les plantes. Ouais, je crois que là on a pareil les plantes bleues. Ouais, très bien. Les plantes bleues c'est le mieux hein, honnêtement. Ça fait le matériau qu'on veut, mais ça fait aussi des feuilles. Donc c'est nickel. Ouais, genre là par exemple les cristaux c'est pas bien. Il nous faut la plante.
Bon, après, la plante fait pas de... carbonium. Ouais, carbonium. Est-ce qu'on a une plante qui fait du titane ? M'étonnerait. Hein. Ah si, ça. Peut-être marrant. C'est con qu'on puisse pas le voir en temps réel, ah là là. C'est ça débile. Voilà. Je pense qu'on a changé un peu les trucs. Un truc qu'on peut faire aussi... Comme j'ai dit, c'est faire des réserves supplémentaires ici. Ça, ça mangera pas de pain. Ouais, normalement, c'est quoi, 15 secondes, je crois. Mais là, vu qu'on a les pourcentages en moins, du coup, c'est quasiment c'est instantané, quoi. C'est juste le temps de l'animation de construction. Comme je l'ai dit, c'est juste parce que je risque de faire des changements dans le biome principal. Donc je voudrais qu'il y ait des ressources autre part. Ah, très bien. Est-ce qu'ici on a des plantes à... Je pense pas. Hein. Bestioles. Non, on peut se casser. Allez, putain, qu'est-ce que c'est long. Là. On peut faire un tour dans d'autres biomes vite fait. Voilà. Bon, c'est bon. Posation de cobalt. Oui, c'est là où on est, mais on a fait les trucs des plantes. L'avant-poste 2, l'avant-poste 4. Pas envie d'aller dans l'avant-poste 4. On va retourner là vite fait. Parce que l'avant-poste 4 c'était un peu le... Bah, c'est l'uranium et tout ça là, où la nuit on n'avait pas assez de puissance. Donc j'ai pas envie de me faire chier en fait à y retourner. Mais je pense qu'on avait fait le tour de la map. Ce qui est bizarre c'est qu'on fait tout le temps le tour de la map et on analyse tout plein de trucs. Tout le temps. Donc je vois pas pourquoi on n'a pas cette recherche là de libre. Ça m'interpelle un peu. Très bizarre. Pourtant, il n'y a pas 3 milliards de biomes. Il y a tropique, acide, volcanique. Tropique, acide, volcanique. C'est tout. Sans parler de la zone DLC. Le volcan, c'est vrai qu'on n'y est pas allé souvent.
Mais même là, j'ai fait le tour de la map à chaque fois. Là, j'ai fait tout le temps le tour des biomes, donc du coup, je comprends pas pourquoi. Un peu étrange. Là, je suis content d'avoir fait ça. Mais putain, qu'est-ce que ça m'a pris du temps. Et je pourrais encore en rajouter des plantes. Hein. Mais je crois qu'il me faudrait plus de courant. Ouais, parce que là, je pourrais faire ça, là, là. Mais il me faut encore plus de courant. J'ai pas assez. Je pourrais faire du... Comment se dire du plutonium, là, de l'uranium, pardon. Ok, donc là, ferdonite, on est passé à 5-8 au lieu de 14, donc c'est un peu plus raisonnable déjà. Cobalt, titane, voilà un peu de titane. Voilà, c'est bien. Poste d'extraction de palladium. C'est con qu'à chaque fois ça change quand on est... Ouais, non, ils veulent pas nous montrer le combien on récupère. Ouais, après on peut faire plus de plantes. Ouais, non, mais si je fais plus de plantes, je veux bien, mais après il faut plein de récolteurs, en fait. Donc, ouais, on va se faire chier pour... Non, honnêtement, c'est vraiment cool ce système que j'ai fait. Vraiment très content. Bon, on va partir. Je crois que c'est un des meilleurs biomes pour faire tout plein de plantes. Un des meilleurs biomes qu'on peut avoir avec autant de vases partout pour faire de l'eau. C'est vraiment le meilleur des meilleurs. Le quartier général. Voilà, on a rectifié un peu le fait de faire trop de métal vert là, ferdonite. Métal bleu, pardon. Et on va s'arrêter là. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose, c'est avancer dans l'histoire et c'est fini. Mais comme j'ai dit, je pense que je vais prendre un petit moment et on va refaire la base. Parce que j'ai envie de moins me faire chier en fait. Faut déjà que j'enlève tous les trucs de gaz et tout, ça me saoule. On a des éoliennes et des panneaux solaires genre partout à foison. La base elle est méga grande, je sais pas. Voilà. En tout cas je vais couper là, on va regarder après, juste quand le chargement est fini, on va regarder un peu les revenus des ressources et tout ça. Et je crois que, comme j'ai dit, on va couper. Je vais encore vérifier si je refais la base ou pas. Si on la refait pas, bah du coup on continuera puis on finira le jeu. Mais je vais faire les équipements qu'il faut, je vais vous montrer vite fait ce qu'il faut. Mais ça met du temps parce qu'il faut les placer et tout, c'est chiant. J'ai détecté un petit comet entrant dans l'atmosphère proche de notre position. Il est très probable qu'il va lander proche de notre base. Ouais, honnêtement, on peut faire une base nettement plus petite. Nettement plus petite. Le truc, c'est qu'on avait fait une grande base pour récupérer le ferronium et le carbonium. Mais maintenant, on n'a plus besoin de ça parce qu'on a... On a ça, là. Ces trucs-là qui ancrent à foison. Et même sans, on en récupère d'autres endroits. Donc, ouais, pas besoin. Il n'y a que la vallée métallique qu'on voit pas. 8, 4, 9. Je dirais que ça a augmenté. 76, titane 10, uranium, palladium, carbonium. On a du carbonium et ferronium un peu partout à chaque fois. Carbonium peut-être même pas trop en fait. Ouais, carbonium c'est vraiment la base principale, donc on va devoir refaire ces trucs là. Ouais, que 76. Sinon tout est quasiment au max. L'uranium c'est débile. Combien on en récupère, honnêtement, entre les plantes et notre avant-poste qu'on a fait, c'est débile. Titane, ça avance.
We have to investigate it as soon as it hits the ground. Donc ouais, je pense qu'on va faire un truc plus petit. Il y a aussi les IA, j'en ai nettement trop fait, parce qu'on a 1000. Ouais, 1000. C'est débile d'en avoir 1000 de bonus. Là, on a couvert déjà tous les murs. Donc c'est complètement con. Donc ouais. Et sinon, voilà, pour vous dire, pour les objets, donc on va devoir faire... Alors, il y a un objet qui est pas... qui est pas obligé. De ce que je me rappelle de l'histoire. Ça on peut toujours pas. De ce que je me rappelle de l'histoire. Je crois que c'est le stabilisateur, hein, pas besoin. Grand portail dimensionné grâce à la technologie Australia. Plus avancé, la version standard ne nécessite pas de refroidissement. Ah voilà. Oui, nous on a le normal. Qu'il faut du refroidissement. Il faut en construire plusieurs. Et après, on a la version extraterrestre qu'on a fait avec des recherches. Et ça, on n'est pas obligé en fait de l'avoir et de le faire. Et celui-là, par contre, il n'utilise pas de refroidissement, donc c'est plus facile à gérer. Après, donc, on a fait ça. Il faut du plasma suralimenté, du réfrigérant. Et l'énergie, c'est 10K d'énergie par seconde. Et c'est tout, en fait. Et après, ah oui, je crois que sur cette plateforme, en fait... Attendez, parce que la plateforme est en fait là. La plateforme là, voilà, si on appuie, voilà, il faut construire en fait les différentes choses sur la plateforme. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut un peu de place à chaque fois. Il faut mettre les stabilisateurs à une certaine distance et tout ça. Donc ouais, on peut garder ce centre là. Et faire la base toute petite comme ça. Je pense que la base, on va faire ça en fait. On va la couper comme ça. Après, je sais pas si je peux bouger le centre. Ah non, je peux pas le détruire. Ah, le quartier général, je suis obligé de le garder là, du coup. Ouais, on verra. Allez, je vous dis à la prochaine, ou alors, enfin, à de suite sûrement. Et on fera encore une vingtaine de minutes et ce sera la fin du jeu. Je vais sauvegarder et je ferai ça après. À tout de suite.